sais que avec ces, comme vous dites déjà pas, je vais quand même vous dire certaines choses que vous ne connaissez pas. Donc, Bitu Congo, ça, pas Japap. Et Cameroun, Afrique, venez, je vous dis, vous allez me voir. Battery medium. Connected to Galaxy A11. Parce que je vous ai dit que moi, avec moi, moi je pars toujours dans vos choses. Et ce n'est pas pour vous insulter. Appelez-moi Bitu Congo, ça, de YouTube, et Cameroun, Afrique, de YouTube, s'il vous plaît. Ouais, il faut nager, hein, ma personne. Lino Coran, il faut nager. Nage bien. Galaxy Grand Prime. Attends, ouais, tu aimes trop parler. Parce que toi et moi, parfois, on ne s'entend pas bien. Connected to Galaxy A11. Attends. Attends un peu. Je vais d'abord mettre un peu la musique. Comme ça, les chants vont entendre que j'allais dire. Je vais mettre Blegatobi. Je vais mettre Solitude. Le Blegatobi. Toi-même, tu ne dors pas la flore. Moi, je fais le tour de Japap et je vous reprends ici. Donc, s'il vous plaît, appelez-moi Cameroun Afrique et Bitu Congo. Ça, c'est les deux candidats. Je vais les répondre. Et si quelqu'un peut biper, nous l'avons fait déjà. Il fait froid. Attendez, je vais fermer là-bas. Il fait très froid. Bitu Congo, ça, et Cameroun Afrique, Bénin. Oh.
sol ben estima. Bema. Ben belli sonnerimo. Veye me par men pingin mounou vede. Eh oui. Je n'ai rien moi. Je n'ai rien. Je n'ai même pas. Je n'ai pas même pas un ciment quelque part. Je n'ai pas de maison. Je n'ai rien. Connectez-vous mes voix, je vais leur parler aujourd'hui. Mais gâteau, oui. Nous, on n'a rien. C'est la même chose qu'il répète, donc déjà bonsoir mes warriors. Normalement, tout à l'heure, je vous ai dit que je vais revenir parce que j'ai eu deux, comment j'ai fait? J'ai fait deux bas et deux macros. Donc c'est pour ça que, et puis il fallait que le téléphone aussi charge aussi. Vous voyez, non? Donc c'est pour ça que j'ai dit, bon, avant que le téléphone, je suis allé dans mes autres comptes, je suis allé à YouTube parce que le compte Beauty Congo ça se trouve à YouTube. Donc je vais commencer par Beauty Congo ça. Beauty Congo ça, déjà bonsoir. Déjà il faut nous remercier. Je t'avais interdit déjà de mettre mes vidéos là-bas. J'ai remarqué que je ne sais pas si tu mets encore mes vidéos là-bas. Tu ne mets plus trop, mais bon, je vais te dire une chose. Moi, je te déteste pas, Beauty Congo ça. Ce que je remarque, c'est que Beauty Congo ça, c'est à YouTube. C'est là où vous entendez que quand votre reine mère dit bonjour, Beauty Congo ça, machin, fait ceci, c'est ça. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est vous qui me suivez. La plupart, ce qu'on appelle que tous les Congo ça, les pages là que vous voyez là, la plupart des pages, en dehors peut-être d'Antoine Major, la plupart de ces choses-là où on parle et on dénigre les Africains, c'est tenu par une seule personne qu'on appelle Fleur de Lille. Ce sont ces gens qui tiennent ces pages. Je vais commencer par Beauty Congo ça. Beauty Congo ça, tu sais, je viens de suivre une vidéo où tu dis que je détiens les secrets de Loulou Mfondja. Je vais te dire que non, détends pour toi. Loulou Mfondja a beaucoup plus de secrets. Mes secrets. Loulou Mfondja peut me descendre quand elle veut. Loulou Mfondja, parce que je suis une personne qui est ouverte, je lui dis beaucoup de mes choses. Loulou Mfondja connaît mes secrets. Plus que je connais ses secrets. Donc là, tu as faux. Loulou Mfondja fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Je n'ai jamais dit que je détiens Loulou Mfondja. Donc, Beauty Congo ça, fais attention à ce que tu dis. Hein? Déjà, un. Hier, j'ai vu la page de votre reine là. Il y a quelqu'un qui a coupé un côté où j'ai parlé qu'on allait mettre dans sa page et tout. Loulou Mfondja et moi, on a mis une cale. On ne s'insulte plus. Loulou Mfondja et moi, on est binôme. On s'est juré qu'on ne va plus jamais s'insulter. Elle et moi ne va plus jamais arriver sur les réseaux sociaux. Certes, c'est vrai que, bon, quand je suis fâché, c'est moi qui viens sur les réseaux sociaux. Je parle un peu mal, mais elle prend ça sur elle. Oui, elle prend ça sur elle, Loulou. Mais, si vous attendez que Loulou, vous dites, moi, on va encore se clasher. Alors là, il va falloir un problème. Je peux vous dire que Loulou Mfondja connaît plus de secrets de moi. Elle connaît ma vie.
puisque je connais la vie de Lunfuja. Lunfuja, c'est une femme qui est très, très secrète. Très secrète, vous ne la connaissez pas. Même si elle et moi, comme vous espérez, que elle et moi, on peut se faire, on ne peut plus rien faire ensemble. On va que se supporter. Et on est binôme. C'est elle et moi, une place. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire, quoi que ce soit là. Vous parlez de moi, le Lunfuja. Et Fleur de Lille et Moussa sont où? Le Lunfuja, c'est une forte tête. Je suis une forte tête. C'est ça, les vrais amis. Pas Gunkam et Moussa. Que c'est seulement Gunkam qui commande. Moussa est là, ma copine. Il faut voir quand Gunkam est en direct. C'est à peine que j'ai ma copine. Elle dit ma copine par appréciation. On est d'accord? Le Lunfuja, elle et moi, on est pareil. On s'est insulté sur les réseaux sociaux. Le Lunfuja m'a lavé propre. J'ai lavé le Lunfuja propre. Ce sont les vrais clashs. Demain, tu ne dors pas. Ce sont les vrais clashs que nous on a fait. On a compris. On est ensemble. Ça ne va rien changer. Vous coupez seulement. Là où j'ai dit que vous allez mettre chez Nkankam, toi, il n'y a plus rien. C'est ma soeur. Elle est morte ensemble. On a décidé que c'est comme ça. Je ne connais pas la vie de Lunfuja. Mais Lunfuja, si vous voulez qu'on se clashe, Lunfuja va me clasher propre. Elle va m'insulter propre. Je ne tiens pas Lulu. Vous comprenez? Et l'eau ne me tient pas. S'il faut maintenant qu'on dit que voilà les clashs, oui, je vais devoir fuir un moment et je vais revenir. Parce que le Lunfuja me connaît très bien. C'est pas parce que je l'ai supporté étant au Cameroun. Oui, je l'ai supporté, oui. Et alors? Vous ne parlez pas de Fleur de Lille qui trimballe Ngosa. Ma copine. Où ta copine est où maintenant? Entre les deux, tu vois Ngosa. Mon Dieu, c'est le jour et la nuit. Lunfuja n'est pas comme ça. Lunfuja tient sa barre. La vraie joueuse tient sa barre. Donc, il faut faire très attention. Parce que machin a fait ceci. Lulu pouvait partir si elle voulait. Lulu fait ce qu'elle veut. Lulu est une femme libre. Elle n'est pas attachée à une corde. Lulu, ce n'est pas une chèvre. Lulu, ce n'est pas un petit toutou. Lulu fait ce qu'elle veut dans sa vie. Si Lulu avait moi, parce qu'elle sait que c'est une femme qui tient une tête. Et elle aussi tient une tête. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi, comme Butchie Kourousa, parlez bien. Je te répète que, quand vous dites que c'est Lulu, je tiens Lulu. Lulu peut me descendre quand elle veut. Elle peut se réveiller là. Elle commence à m'insulter propre. Vous connaissez Lolo? Et que Lolo est petite. C'est le tsunami des injures de fesses pour ce Lolo. C'est pour ça que dans mon zoo, je lui ai nommé le putois. Parce que le putois, quand le putois passe, elle fait boum, ça sent mauvais. Vous comprenez? Donc arrêtez. Vos petits jeux que vous voulez jouer là. Oh Lolo, la veuve tienne. Je ne connais aucun secret de Lolo. Mais Lolo connaît mes secrets. Vous m'entendez? Tu entends? Toi, habitué comme ça. Lulu peut me détruire quand elle veut. Et ça va me faire mal. Mais je peux vous dire que moi, je ne connais rien de Lulu. Lulu est très secrète. Très secrète. Lulu même uniquement parce que je suis comme je suis femme vraie et je m'en fous. Je ne suis pas une femme qu'on tient tête. Oui, j'ai soutenu Lulu. Quand elle était au Cameroun, je l'ai soutenue. Oui. Je sais tenir tête aux gens. Pendant le premier confinement ici à Facebook, je vous ai montré que, pas vos directs que vous faites là, j'ai tenu Facebook en haleine pendant 3 mois toute seule. J'ai eu tout le monde m'a insulté, m'a dit quoi, que j'étais toujours là. Les gens se mettaient à 6, à 5. Les harcèlements, j'étais toujours là. Pour vous dire que, je ne laisserai pas battre par les mécréants comme toi. Vous ne pouvez pas.
ce que vous voulez faire là. Ce que vous voulez faire là, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Prenez mes vidéos où j'ai justement le local roi. Vous attendez. Ça ne peut pas marcher. Non. Ami, Flavio dit étoile, l'étoile qui vient, le vieux étoile. Vous êtes tellement contre. Je ne suis pas contre personne. Fleur et moi, c'est une place. Lune et fleur, c'est une place. L'étoile et tribu et fleur, c'est une place. Vous entendez, non? Voilà. Ça se passe comme ça. Mais moi, je ne serai pas à battre par les petits gens. Vous entendez, non? Parce que je suis une forte tête. Une forte tête. Vous arrivez aujourd'hui. La première femme qui commence à faire les vidéos, je danse et tout, c'est moi. Facebook est arrivé. Les vidéos sont arrivées. Les directs sont arrivés. Nous voilà aujourd'hui. Mais je m'en fous. Quand Boutique commence à dire qu'elle ne comprend pas pourquoi Lolo n'est pas parti, Lolo fait ce qu'elle veut. Si Lolo voulait partir autour de Steph, elle allait partir. Est-ce que Lolo, c'est une personne que tu peux dire que non, ne fais pas ça? Lolo fait ce qu'elle veut. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle avait déjà un autre programme. Lolo a ses programmes. Oui. Pour te dire, je commence ça. Le problème est commencé par Steve et lui-même. Et la façon que quelqu'un m'a parlé. C'est tout. Il faut voir que ça se passe comme ça. Les gens sont dans les problèmes, la tourmente. Dans les problèmes. Tu arrives. Il faut qu'on invite Lolo, il faut qu'on invite Moussa, on invite toi. Et après, dit, il y a encore quelle blogueuse là? La veuve joyeuse, qui et toi, c'est qui donc les du camin. Vous, tu crois que moi, vous, tu crois ça, je peux m'asseoir là, il y a du camin, je peux m'asseoir là, il y a Baneza, Moussa, je peux m'asseoir même là, il y a quelqu'un, je peux m'asseoir là, il y a, comment on appelle, Pamela Anglade. Mais on se fout de la gueule de qui là. J'ai dit que je ne partais pas. Je n'ai interdit personne de ne pas partir. L'étoile caribienne, elle a choisi de ne pas partir. Lolo a choisi de ne pas partir. C'est leur problème. Ça n'engage que eux. Quand vous parlez vos choses, hein? Même s'il n'a rien dit de mal, le fait qu'il dit que il ne comprend pas pourquoi. Que je dois tenir Lolo quelque part. Je ne tiens Lolo nulle part. Si Lolo décide maintenant qu'elle est mon chum, je ne vous manque pas que je vais devoir me cacher dans un trou. Là, vous dites que quoi? Attendez un peu, attendez un peu. La veuve apprend à faire quoi? Attends un peu, je vais un peu lire les commentaires. Parce que mes commentaires, ils sont bizarres. Il y avait menacé Lolo. Menacé en disant quoi? La seule chose que j'ai dit, que tous les stands qui vont partir là-bas, je vais les clasher. C'est tout, tout ce que j'ai dit. Je connais les toits de Kribi, pourquoi ne pas partir? Tous les gens qui sont venus là, je les tiens. Hein? Donc, quand vous avez décidé qu'une personne, comment vous allez la dénigrer, moi je m'en fous de vous. Vous parlez de quoi? Ce que vous attendez là, Loli et moi, on a fait un pacte. On ne se clash plus, c'est comme ça. C'est ce que vous attendez. Il n'y aura plus ça. C'est moi qui vous dis. Oui. Donc, allez vous faire foutre. Je me renferme tout et je ne tomberai pas dans les bonnes opportunités. Ah, lesquelles opportunités, par exemple? Chantal, yo, tu me dis les opportunités de quoi? Non? Vous voyez les opportunités faciles, vous croyez que c'est comme ça que ça se passe. Il y a les agents sur ça. Hein? Vous voyez Facebook, c'est facile. Parce qu'il y a une personne qui vient te voir comme ça, dit que la veuve joyeuse, je vais te faire ça, je vais faire ça. Il y a un prix à payer. Vous me connaissez vraiment que je suis. Je peux changer vos vies là, vous êtes là. Moi, la veuve joyeuse, c'est renseignez-vous un peu bien. Je peux changer vos vies. Hein? Je peux changer vos vies. Renseignez-vous bien.
Là où je suis, c'est vous vous moquez de moi, mais je peux changer vos vies. Tu peux avoir un problème, je résous ça. Renseignez-moi bien qui je suis. Je bois les Moscato. Oui, je bois mon Moscato. J'accepte mon Moscato. Ah, mais c'est quoi? C'est la personne. Quelqu'un fait son événement, on met une personne que tout le monde déteste. Et que tout le monde elle dénigre tout le monde. C'est moi qui ai dit que tout le monde n'a pas papa. C'est moi qui ai dit à Natacha de mon côté de ne pas partir. C'est moi qui ai dit à l'étoile de tribune de ne pas partir. C'est moi qui ai dit à l'autre de ne pas partir. Tout le monde a ses antécédents. C'est moi qui ai dit à, comme on appelle, Pamela Anglade et les restes, c'est pas avec qui on a cité là-bas, de ne pas partir. Non. Moi, je dis que je ne partais pas. Je vous ai dit que Facebook, si. Vous voyez Facebook. C'est que quand une personne parle avec une autre personne, ça veut dire qu'on s'est râlé, ça veut dire qu'on connaît les secrets. Non. But est comme ça. Loulou, faut que j'accorde mes secrets. Les puits en fuient. Elle peut me descendre quand même. C'est moi qui te dis. Je la tiens à nulle part. Mais quand même, j'étais quand même la seule à la soutenir. Et je la soutiens toujours et je la soutiendrai toujours. Ah, moi, je ne comprends pas. Bah, il n'y a rien. N'allez pas faire un couple là où je parle mal. On va mettre dans les pages un couple là où machin attend. C'est quoi votre problème? Allez-y. Même si le dos m'insulte, je ne vais même jamais la répondre. Elle va la m'insulter par rapport à quoi? Pourquoi vous vous attardez chez nous, sur le dos et moi? Hein? Voilà un gosse là-bas qui est là-bas, qui vend déjà les maquereaux là-bas. Qui a déjà le truc là-bas. Vous ne parlez plus d'elle? Parce que elle n'est plus intéressante. Vous avez avalé Moussa. Moussa intéresse encore qui? Vous vous intéressez là où ça framponne. Et moi, je suis une framponneuse. Lui, je suis une framponneuse. On s'entend très bien. Ce qui est sûr, c'est ça. Pas vous deux là. Donc, allez là-bas, faire vos choses. On prend un petit coup comme ça. Je te répète que Lulu peut m'insulter quand il le veut. Lulu peut me dénigrer quand il veut. Je vais rester tranquille, après je vais répondre. Ça se passe comme ça. L'autre, c'est ma personne, c'est ma soeur. On a fait un pacte qu'on s'insulte, puis on ne fait plus rien. Elle fait sa part là-bas, je fais ma part ici, c'est tout. Le jour qu'on décide qu'on se voit, on se voit. Ce qui est sûr, c'est ça. Alors, on va faire comment? Arrêtons un peu. Chaque temps, vous va dire que Lulu a dit que vous va dire. Hey. J'ai dit à Facebook qu'il n'y a pas de paix. Ah, but tu commences ça toi-même à Facebook. S'il y a la paix à Facebook, toi-même tu vas faire comment? Parce que ta page est monétisée. Parce que dans ta page, quand tu parles, après ça coupe, ça fait les vidéos, ça fait les publicités. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ta page. De but tu consacres sur YouTube. Tu mettais nos vidéos là-bas, tu parlais, ça ne coupait pas. Maintenant, ça parle, un moment, ça coupe. Parce que toi-même, tu as monétisé tes pages. Et c'est grâce à nous. C'est grâce à Fleur de Lys, c'est grâce à moi, c'est grâce à tous les gens que tu parles. Tu prends l'argent derrière nous. Mais tu consacres. Tu te fais du beurre derrière les stars, Makata. On est d'accord? Il est 3 heures ici. Je suis assis tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai. Mais il faut souvent nous dire merci. Dans ta vidéo, dans ta page, tu commences, tu parles de tout. Tu es obligé de faire 5 vidéos par jour. Tu parles du Cameroun, tu parles des blogueuses, tu parles des screens, tu n'as même pas intéressant. Tu parles. Parce que c'est derrière les choses que tu parles que tu prends les sous. Donc respecte-nous. La dernière fois, je t'avais dit que tu ne parlais plus de moi. Mais tu continues. Mais là, j'ai laissé. C'est pas grave. Moi, je te réponds que je ne tiens pas le Lumfunja. Le Lumfunja est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre de clasher qui elle veut. Comme je suis libre, comme tout le monde est libre. Le Lumfunja pouvait partir chez Apoutou si elle voulait. Pas parce que j'ai dit que
tu sais comment ça va se passer. Oui, je l'ai dit. Et j'ai dit ça à tous les stands qui vont partir, parce que j'avais compris l'histoire. Hein? Quelqu'un veut s'asseoir, tu t'accapares pas la soirée et tu dénigres les autres pour parler seulement de Lolo et moi. Et pourquoi Ngossa n'est pas aussi parti à la soirée? À Poutou, comme moi, n'était pas. Sylvie n'était pas. Alors, vous ne parlez pas de ça? Vous étiez où? À l'école? Vous ne parlez pas de ça? Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez seulement de Lolo. Hein? Bichi Ngossa, parle de Ngossa. Pourquoi Ngossa n'est pas allé chez Apuchu? Question. Pourquoi elle n'est pas venue ici? Au Rouen, ici, c'est 1h30, 1h15 en voiture. Ici, elle pouvait venir. Mais n'est-ce pas quand ma sang vient à Paris, Ngossa vient à Paris avec ma sang ici, ils boivent le champagne. Pourquoi elle n'est pas venue? Vous voyez, tu es là où c'est facile. Mais il faut savoir que Lolo ne peut même pas se rabaisser. Lolo, elle ne se rabaisse pas. Toi-même, tu dors à quelle heure? Moi, je ne travaille pas pour l'instant. Moi, j'ai dormi. C'est l'enfance qui m'a réveillé. Un enfant qui a commencé à crier là-bas en haut. Qui m'a réveillé. Moi, j'ai dormi. Vous voyez pas, je dormais déjà. Ce que les enfants, ici, moi, je ne sais pas ce qui se passe souvent. Les enfants commencent à crier. C'est beau, comme ils sont non, ils ont un fantôme, je ne sais pas quoi. Oui. C'est tout. Il y a quoi? Vous parlez que de lui et moi. Hein? Quelqu'un parle aussi de Ngossa et toi. Il faut dire, explique-nous pourquoi Ngossa n'est pas venu chez Apuchu. Explique-nous pourquoi Ngossa n'est pas venu aussi dimanche chez Sifefa. Hein? Les blogueuses, maintenant vous connaissez. Vous ne parlez jamais de ce qui vous intéresse. Je me démaquille avant de dormir. Man. Je me démaquille à quoi? Oui, je me démarque. J'ai même mis mes trucs là où j'ai. J'avais ça tout à l'heure, la cuisine là-bas. Je vais chercher la cuisine. J'ai mes trucs que je me démarque. Je sais même que c'est bien. J'ai même raison. C'est pour ça que mes trucs sont souvent noirs, genre là. C'est une porte quoi. Ça, c'est des maquillages quoi. Des maquillages. Arrêtons un peu. Hein? Les abeilles là, il faut aussi demander l'incassa. Demander, il faut demander aussi que. Pourquoi vous. Bichi Ngossa, bon, je suis chez toi. Hein? Je n'arrête de parler pas Ngossa par rapport à quoi il est qui. Sans il peut vivre. Sans nous, sa page peut vivre. Sans nous, peut vivre. Comment dire? La solitude est très grave. Maman, Chouani, Sué. Donc, parce que tu es ce qu'il n'y a pas des gens qui dorment ici. La solitude est donc. Toi-même, tu n'es pas solitude. C'est vraiment la solitude. Hein? Si tu cherches ton mari dort ici, dans mon lit. Oui. Vous respectez les femmes qui sont mariées, celles qui ont les maris chez eux, qui montent à Facebook. Hein? Vous ne savez pas que c'est les femmes là qui sont, ils sont la solitude plus que nous. Ok, je vais t'accueillir, ma chérie. Hein? Où c'est Chouanesia, avec ton nom compliqué là. Hein? Les femmes mariées sont les femmes qui sont les solitudes. Elles sont solitudes. Hein? C'est la solitude. Hein? C'est les femmes de devoir qui gagnent tout. Hein? Qui gagnent le temps de leur mari, qui gagnent l'argent pour leur mari. Elles sont là pour pondre les enfants, c'est tout. Les femmes de devoir ont les immeubles. Même le mari n'a même pas l'immeuble. Mais c'est les bordes qui ont les immeubles, qui ont tout, hein, que l'homme donne. Hein. Et l'homme n'a rien. Hein. Vous comprenez? Donc, il faut respecter les bordes dehors. Les vrais bordes ont tout. Vous êtes dans la solitude là-bas à la maison. Vous contactez les maisons, des belles voitures et des enfants qui sont à l'école. Votre hobby, c'est quoi? Petit déjeuner le matin. Vous faites le petit déjeuner aux enfants le matin. Vous les accompagnez à l'école. Ceux qui rentrent à 11h rentrent, ceux qui rentrent, vous les récupérez le soir. Ceux qui. Vous faites les devoirs, vous avez un répétiteur qui répète aux enfants et tout. Tu es aussi au salon avec la télécommande. Tu zappes si activé parce que mon télévision c'est si activé. Tu zappes si activé matin, midi et soir. Ton mari va t'appeler. Chérie, tu es où?
Tu fais la nourriture. La nourriture est couverte au salon. Il va rentrer à 4h, 5h du matin, étant sourd. Tu vas dire, ma, ça, tu es arrivé, c'est tout. Tu vas aller déchausser, tu peux parler, parce que tu aimes les standings, que mon mari, c'est les femmes de dehors qui gagnent tout. C'est elles qui ont les terrains, c'est elles qui ont les belles maisons, c'est elles qui ont les belles voitures, c'est elles qu'on amène à Dubaï, c'est elles qu'on amène partout dans le monde entier. Toi, tu es à la maison, parce que tu es Madame Kamga, tu es Madame Biloa, donc, donc, il faut vous. Attends, moi, je suis là. Vous êtes sûr que je n'ai pas un mec à la maison aussi? Parce que vous voulez voir ma vie. Je ne vous montre pas avec qui je couche. Vous allez voir un jour. Moi, c'est une place. Vous avez quelle vie? Vous-même, les hommes, les femmes mariées, à l'heure, si vous faites quoi? Vous mariez un homme marre de vos vieux couilles et tout. C'est la vie. C'est les rois au goudou. Vous êtes à la maison que je suis marié à tel monsieur. Vous êtes devenus les objets de décoration. On vous amène seulement dans les soirées pour montrer que je suis Madame telle. Vous dansez avec elle, alors que lui, il y a sa petite à côté. Parce que là où il y a un monsieur qui a l'argent, il y a toujours une petite qui est à côté. Que le chauffeur, j'allais prendre, il m'a mis à côté. C'est elle qui boit le champagne qui coûte cher. Toi, tu bois l'eau, le coca, tu danses gentiment. Et la petite là, elle montre ses formes. L'homme est jaloux parce qu'il sait que. S'il ne fait pas ce que la petite fait, la façon qu'elle monte les formes là, quelqu'un d'autre va prendre. Vous dites ça à qui? Hein? Mon père, c'était un commandant. Hein? J'ai vu comment ça se passe avec ma mère. Hein? Il faut faire attention. Hein? Vous parlez même de quoi? Mais voilà, les tisans ont l'avantage. Vous entendez? Ouais. Il y a certains d'entre vous qui n'êtes pas partis au Cameroun. Moi, dans ma vie, c'est. Depuis, en 2020, j'étais au Cameroun. Quand il y a eu le Covid, je suis rentré. Cette année-ci, je ne suis pas parti. En 2022, si Dieu le permet, je vais aller. Vous avez quoi dans vos vies? Je suis Madame telle. Madame telle. Maman, tu vois une petite fille, mais là, elle est toujours brune, sans tache. Très brune. Maman, toujours très fraîche. C'est que tout le monde regarde. Toi, tu es là avec ta mère. Avec. Le père est là, et le père regarde là-bas. La fille a exagéré. Je vais habiter dans un appartement qui coûte 300 000. Je veux une voiture. Je veux ça. Je veux le dernier iPhone que même lui-même n'a pas. Je veux ça, je veux ça. Il va prendre les crédits. Comme au Cameroun, maintenant, il y a les crédits, maintenant, les micro-crédits là. Il va prendre ça pour la tisa. Et le soir, elle sort et tourne ses fesses avec d'autres hommes. Vous êtes comment? Vos maris sont lesquels numéro 1, numéro 24. Hein? Vos maris sont les numéros 30, 100, 101 les numéros. 1 milliard de numéros. Parce qu'il y a les numéros 1, hein? Numéro 2, numéro 1. Il y a les numéros. Il n'y a plus qu'on donne, on ne donne plus. Tu es que numéro 1, bon client. Numéro 2, mauvais client. Et on met ton nom, Kamga. Et foi. Biloa, Dedi, Bedi, tous vos noms sont répertoriés avec les numéros. Donc, quand celui qui donne 50 000 appelle Aka, Bedi appelle Yakon. Non, 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 pas celui-là, dis donc. Dès que le numéro 1, qui est la page, appelle Mouf, arrangez tout, tout le monde arrange tout à la maison. Et d'ailleurs, tu es tout fraîche. Et tu ne bois pas, hein. Non, chérie, moi, elles ne boivent jamais avec les clients là. Elles sont très calmes. Elles boivent que le coca. Et l'homme en train de boire, il commence à 18 ans. Il est tellement content, la joie de ça. Il voit maman, toi aussi, je te mets devant là, tu fais les striptease. Quand il part, 2 millions restent. Non, tu sais que chérie, j'avais vu une mèche là-bas, non. Brésilienne. Oui, j'avais vu ça. Il donne tout. Quand il arrive à la maison, même à la fin du mois. C'est la femme qui se débrouille pour nourrir les enfants. Et nourrir la tise à dehors. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ma mère a eu ça. Vous êtes les cons, quoi. Vous croyez que les gens font les gens sans payer pour rien? Les gens sans, c'est quelque chose que les noirs donnent les gens sans. Hein? Si vous voyez une femme noire qui est en boutin, qui est en beau mec au pays, ça veut dire qu'elle met l'argent. Ou elle-même, elle est comme ça, sans ceinture. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Et les petites filles dans les, au pays là-bas que tu arrives, mais quoi? Merde. Tu sais que c'est ces vies ici. Elles n'est même pas métisse. Là-bas, on fait la chirurgie des seins. On opère déjà les nez. On opère tout au pays. On fait même l'insémination artificielle pour les enfants. On fait tout, même le couper là, le ventre là. On fait tout au pays maintenant. Quand tu as l'argent, tout est. Yeah. Vous parlez du Cameroun étant ici. Il faut aller faire un tour là-bas. Hein? Hein? Moi, je vois souvent. Hein? Regardez. Okay. Vous voyez comment les filles se maquillent là-bas. Yeah. Comme à New York. Comme vous voyez Shakira, comment elle se maquille non, avec son ami là. Merde, elles sont maquillées comme ça. Ce sont maintenant les filles qui paient les champagnes dans les boîtes de nuit. Ah oui. Mais oui. Elles peuvent arranger, elles peuvent arracher. Je dis qu'elles peuvent arracher. Je vous dis. Les filles là sont très dangereuses. Je vous dis. Okay. Oui, bonsoir ma bonne. Hey, bonsoir, je suis ma bonne, mais je vais aller là. Oui, mais, ben oui, cette fille-là, okay. Quand je vous parle sur les autres, ne regardez pas les réseaux sociaux. Le Cameroun, c'est notre pays, et toutes les informations qui sont dans les réseaux sociaux sont des informations, les fakes. Il faut aller sur place. Au Cameroun, il y a l'argent, les gens vivent au Cameroun. Au Cameroun, il y a les immeubles. Parfois, tu arrives, tu dis que. L'arbre que tu as laissé devant ta porte, il n'y a plus l'arbre là. C'est déjà l'immeuble qui est là. Maintenant, le Camerounais a appris à exploiter le haut. On n'exploite plus le bas. Au Cameroun, la maison, c'est 55 mètres carrés. Il va couper ça jusqu'à ce qu'il va faire deux immeubles ici là. Les gens vont habiter. Maintenant, on exploite le haut, l'espace. On n'exploite plus le bas. Le bas, il faut souvent, parce que quand tu fais l'immeuble, il faut les fondations, il faut mettre les ciments, les tonnes, même 20 tonnes en bas, parce que tout se passe en bas, ce n'est pas en haut. En tout cas, bref, on n'était pas dedans. Donc, je disais à Bichikobosa que je sais que tu es pour Kunkam. C'est bien pour te la valoriser, mais moi, je peux te dire que où tu me vois, c'est Bichikobosa. Pas de moi si tu veux, mais moi je me rabaisserai jamais. Je ferai tout ce que je veux dans ma vie. Je parlerai de qui je veux et je vais insulter qui je veux. Je m'en fous. Je suis Mandeba. Je suis ma foufou. Je suis décrépite. Je suis ce que vous voulez, mais moi je tiens tête aux gens. Ce que personne ne fait, mais moi j'ouvre les yeux aux gens. Vous allez faire quoi? Si vous faites rentre du Cameroun, un petit fanfan qui veut se faire voir à Paris, il a amené quel projet? Parce que nous, on voit les projets qu'il a amené. Quel projet? Nous, on attend. Je peux te dire que je suis comme ça. Quand il va revenir ici, au mois de novembre, la veuve joyeuse, je ne serai pas de la partie. Hein? Je ne n'irai pas. Si je fais, j'en fais évoluer qui? Quelqu'un sort. Dans les parapara, il vient tuer les gens qui sont de la lumière. Là, il y a la technologie, là, il y a tout, là où quelqu'un peut évoluer. C'est quelqu'un qui sort là-bas, qui va vous amener à évoluer. Pour vendre quoi? Les yaourts? Hein? Les pas légers? Vous allez commencer à vendre les pas légers, les savons macabo, les samoula. Hey! Donc, tu me détestes, mais moi, je ne déteste pas parce que c'est derrière moi que tu gagnes la vie. Tu gagnes. Parce que quand tu parles à la veuve joyeuse, les gens sont dans les commentaires, les gens me dénigrent. Mais je m'en fiche. Parle de moi, je suis une star, I am the star. The one star. Est-ce que tu crois que moi je vais me balader dans les foufous, les anniversaires, les mariages, les boîtes de nuit à la con, dans les, là où on part, dans les tontines? Non. Quand tu es une vraie star, les stars se font rares. Je suis installé les réseaux sociaux, mais on ne me voit pas dans les bouis-bouis, dans la racaille. Je me balade pas avec la racaille. Hein? Puis tu commences. Il faut me respecter. On dirait que je suis comme les autres. Tout ça pour avoir quoi la notoriété? Mais non, il faut se faire rare.
Je suis comme je suis, je me fais rare dans mon tabac, je me fais rare dans mon alcool, je me fais rare dans tout, on ne me voit pas, même en route, on ne me voit pas. Je suis star, I am the star, et I am the prête. Je suis prête pour tout, c'est tout. Vous croyez que parce qu'on vous invite dans les soirées et tout ça, que vous êtes les gens, vous comptez, vous êtes les arrachés du deuil. Je ne suis pas une arrachée du deuil, moi. Je suis une femme respectable, que ça vous plaise ou pas. Petit Congo, ça. Donc, ça, c'était pour toi. Bon, là, maintenant, je bois d'abord un petit coup. Maintenant, je pars chez Cameroun, Afrique. Cameroun, Afrique, je vais te dire un truc, c'est même pas, c'est Cameroun, Afrique. Attendez un peu. Hein. Je veux voir, c'était parce que je ne sais pas qui c'est. Je suis tombé sur un truc là, Cameroun, Afrique. Attendez. Je suis à YouTube là, parce que vous savez que je vous ai dit que moi je m'avais fait les... Voilà, on est chez Beauty Congo, ça j'ai fini avec lui. Là c'est Veuve Joyeuse, là c'est... Attends, ouais, Cameroun Afrique. Voilà, Cameroun Afrique, j'appelle, je crois, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, parce que voilà, déjà un, il y a Lolo qui parle, il y a moi qui suis. Il y a Angosa qui suit à Nancy, je ne sais pas qui c'est Nancy, mais je la suis très bien, cette femme de Nancy, je ne sais pas. Attends, je vais en parler. Et puis, il y a vous jouer, je ne t'ai suivi une soirée. Il y a Cameroun Afrique Japap qui dit, ben, attends, je ne sais pas ce qui se passe là. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Voilà. Cette vidéo. Veuve Joyeuse. Vraiment. Situation au fond. Bon, bref. J'ai fait cette vidéo, c'est par rapport à la sortie de la Veuve Joyeuse d'hier soir. Hier, en journée, je crois bien. Parce que hier soir, Mark Zuckerberg nous a fait ça. Donc, c'est en fait, c'est le Cameroun, Afrique, Japap. Donc, voilà, tu as entendu ta voix. Déjà, un Cameroun, Afrique, Japap. Je veux te dire un truc. C'est moi qui mets la barre. C'est moi, la Veuve Joyeuse, qui te parle. Comme je vous ai dit, tous les trucs que vous voyez là, qui concernent le Congo, ça. Beauty Congo, ça. Cameroun Afrique, Japap. Kamer, Japap. Japap, Destin, Blakata. Comment on appelle là? Il y avait encore. Il y a là où j'ai dit que je ne me prononce plus là-bas. Comment on appelle ça? Fashion Police. Tout ça. Ce sont. C'est la team, la même team qui a tout ça. La même team qui a tout ça. C'est la team de Fleur de Lille qui a tout ça. Ils ont accaparé tous les réseaux sociaux pour eux. Et quand une personne les tient tête, tout le monde t'indexe, tout le monde te fait ceci pour que tu cèdes. Il faut savoir que moi, écoutez-moi très bien, Mac Fouda, quand tu ne connais pas quelque chose de Facebook, il faut faire très attention. Je ne suis venu là pour répondre à Beauty Congo ça et Cameroun Afrique Chapap. Pour vous dire que c'est moi. Mais tu dis que où sont les preuves? Parle avec toi. Les preuves de quoi? Laisse-moi parler. Pourquoi ça te choque? Laissez-moi faire. Allez dormir. Est-ce qu'il veut dormir? Allez dormir. Donc, je vais vous dire une chose. Je ne vous lis même plus. Je vais vous dire une chose. C'est que je ne veux pas céder. J'ai dit qu'à Facebook, il n'y a pas de paix. Insultez-moi, dénigrez-moi, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de paix à Facebook. Et je dis qu'un camp ne va pas réussir. Vous n'allez pas réussir à me détruire avec le long fondant. Parce que ce que vous voulez maintenant, c'est que réussir. Celui là a avalé Elise Battante. On n'entend plus trop parler. Elle a avalé Moussa. On n'entend plus parler. Elle voulait avaler Lolo. Mais elle ne peut pas avaler Lolo parce que la Veuve Joyeuse est là, boum, boum, comme ça. Jamais.
elle ne peut pas m'avaler. Vous voulez la paix à Facebook? Si tout le monde veut la paix maintenant, mais Walos, on va arriver comment? Qui va faire? Il faut quand même le bruit à Facebook. Il ne faut pas la paix. Moi, j'ai décidé qu'aucune paix à Facebook. La paix de quoi? De manioc. Il n'y a pas de paix. Vous aimez le Japon. Maintenant, alors, je vous pose une question que oui. Insultez-moi si vous voulez. Je ne veux pas dire ce que vous voulez, ce que vous dites. Si maintenant, alors, bon, on dit que bon, parce que la seule personne que je tiens la caisse, la rejoignée, je décide maintenant que bon, mais voilà. J'appelle l'eau, j'appelle. Même moi, je peux m'appeler ma pépé. J'appelle, comme j'appelle tout le monde, dit que bon, avant que quelqu'un vienne d'ailleurs nous rassembler, essayons de nous voir. On fait la paix entre nous. On fait un grand restaurant entre nous. On mange, on danse. On parle d'abord bien entre nous. Les choses doivent cesser. Qui va alors commander l'autre? Qui va commander? Qui va parler? Parce qu'il faut bien qu'on se clashe. Parce qu'il faut bien qu'on parle. Qui va parler? Vous avez vu ces derniers temps-ci? Je secoue la toile. Moi, je dis qu'il n'y a pas de paix. On va laisser une personne parler, qu'un camp. Assoutez. Jamais. Il n'y a pas de paix. J'ai décidé qu'il n'y a pas de paix à Facebook. Et il n'y aura pas la paix. Tant que je serai en vie à Facebook. C'est vous qui avez fait vos teams. Les teams de Congo, ça. Les teams de machin. Quand tout le monde va maintenant se rallier à l'occurrence, vos gens-là, vos aînés là que vous avez fabriqués, qui va encore aller citer l'autre? Il faut faire attention. Je peux décider demain que maintenant là, je dépose les armes, qu'on se rallie, on fait la paix. Mais il faut faire attention. Et en premier, c'est que c'est vous qui aurez les problèmes. Parce que vos teams là que vous avez créés, les teams de elle là, Lolo, Ngosa, Florine, pour Lolo même, c'est un peu même autre chose. Vous deux là, vous team là, les Tekaku, les abeilles, les Nkasa, et les Fokules, les Lomania là, ça va se passer comment? Elles vont se clasher entre elles, et ça va arriver entre vous. Et elles vont vous défier dans les réseaux sociaux. Je vous ai dit que mes Walos, ne regardez pas que je ne veux pas la paix. Que je ne veux pas la paix. Moi, au contraire, je suis en train de les préserver. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont étouffés. Leur team qu'ils ont créé, les gens qui sont étouffés dedans, moi, je vous dis. Si maintenant que bon, bon, comme tout le monde, que je suis la haineuse de Facebook, je dis que bon, moi, je prends l'initiative, j'appelle Lolo, j'appelle Ngosa, j'appelle Flore, j'appelle encore, bon, on est quatre, bon, dans ce jeu-là, j'appelle Natacha de Monaco, j'appelle tout le monde, quand même que, bon, essayons de se voir, déjà que, pas les Natacha de Monaco, c'est autre chose, bon, je dis, bon, Flore, Ngosa, Lulu et moi, on s'entend quelque part, on dit que bon, on va se voir, dans un beau restaurant, moi j'aime les Champs-Élysées et tout ça, on se voit sur les champs, ou bien on se voit dans un truc, même à Plaza Athénée, on parlait bon, on fait dans la journée là-bas. Moi, j'appelle au Plaza Athénée dans les endroits chics. On parle comme les grandes dames. En direct et tout, on cause. Moi, je n'ai pas de team. Moi, je n'ai que les Walos, que je ne connais même pas. Voilà un problème. Moi, je ne connais pas les Walos. Pour moi, tout le monde est Walos. Et puis, maintenant, ça va se passer comment? Oui, moi, je peux déposer les armes. On est d'accord? Eh, mais Walos, je peux déposer les armes. Que je dis que bon. Maintenant, alors, je viens vers, je les supplie que s'il vous plaît, faisons la paix. Comme je suis tellement méchante, comme on a fait Japap, Bitch Congo, ça, je décide maintenant que bon. On commence à faire doucement, doucement. J'appelle Stella Amogou, j'appelle les grands gens, j'appelle Antoine Bachot, j'appelle tout le monde pour qu'on essaie, on essaie de s'asseoir, on apaise d'abord nos cœurs, on se voit nous tous. On fait un bon tour. Et maintenant, alors, ça va se passer comment? Vous, là, vous qui les supportez, là, vous qui m'insultez, vous qui insultez Lolo,
vous qui insultez Moussa, vous qui insultez Flore, vous qui insultez tous les autres stars là. J'appelle les toits de Kribi. On arrange, on dit que bon, on fait d'abord ici pour nous, nous sommes les Européennes, nous sommes ici. Moi, je me fais le meilleur coup parce que je me mets en genoux que pardon. Les Doudou et Ngama, j'appelle Doudou et Ngama, tout ce monde-là, on organise une quête. Bon, qui va être l'impresario? Qui va nous diriger? Qui va commander? Parce que tout le monde va se mettre dans sa place. Et personne ne va accepter que l'autre parle, parle fois à l'autre. Avant de venir dire qu'on va faire ça, avec les stambakat, il faut d'abord apaiser le cœur de quelqu'un. Tu ne peux pas arriver là comme ça, tu dis que non, je suis venu pour... Non, non, non. Bon, moi, je suis d'accord. Là, maintenant, est-ce que je dépose les armes, que je dis qu'il n'y a plus de paix, il n'y a plus la guerre, il n'y a que la paix. Vous serez contente. Vous allez vous retrouver où? Chez les Ivoiriens? Chez les Gabonais? Les Camerounais, il n'y aura plus les Japap. Il n'y aura plus rien. Vous allez vous retrouver où? Là, les pages où on parle du Cameroun, là où il y a le Nouzo, là où on tue les gens et tout. Même si nous, les Stambakat, on est comment on est. Mais parfois, même si on est dur, on s'insulte et tout. Mais au moins, nous, parfois, on vous donne quand même la joie de vivre. Je danse pour vous, on rigole, je raconte mes histoires à con et tout. Tout le monde fait comme là. Voilà. Comment on peut faire la paix alors que vous êtes là pour faire la haine? Vous dites que je suis une haineuse. Une haineuse? Parce que je ne veux pas qu'une femme dirige. Parce que le problème de Facebook, c'est que quand elle veut diriger, elle va diriger alors qui? Bah, dites-moi. Elle va avaler qui? Moi, ne m'avale pas, on ne me dirige pas. Vous aimez parler, non? Bon, d'accord, maintenant, on fait la paix. Bon, voilà, on fait la paix. Qui va maintenant encore oser insulter la veuve? Qui va oser, entre vous là, insulter Lulu? Insulter quelqu'un? Insulter... ça. Bah, vous serez dans le flou. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être flou. Bah, vous faites du bâton. Elle ne parle plus de bonnes choses. Elle ne fait plus rien. Vous allez partir ailleurs. Si vous êtes là avec nous, vous nous critiquez chaque temps, chaque temps. Oui. Vous nous critiquez. Mais vous aimez qu'on framponne. Vous aimez quand on se dénigre, vous aimez quand on s'insulte, le cul de nos mamans, le cul de nos papas, les enfants qui sortent, vous aimez ça. Alors, on a commencé, on continue, ce qui est sûr, c'est ça. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc faites ce que vous voulez. Moi je ne veux pas la paix. Moi je ne vois pas la paix de quoi. Bah oui. Qui n'insulte pas qui dans les réseaux sociaux. Rodiane, ça va. Je mange tout, ma. Mais il faut venir voir si je mange tout, non. Ça fait quoi si je mange tout? Manger, c'est voter, non? Si je ne mange pas, tu vas voter comment? Si je ne mange pas, toi, tu vas faire comment? Oui. C'est ce que j'ai un double menton, donc je dois faire attention, c'est tout. Le patron de Facebook, c'est Mark Zuckerberg, point barre. Donc voilà, c'est lui qui va décider. Votre père, là, que vous dites là, moi, je ne veux pas qu'on fait la paix. Après, on voit une personne que tu es en train de dire, alerte, 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 alerte. Les autres sont moumous, ils ne peuvent pas parler. Non. Il n'y a aucune paix. Nous tous, on va faire l'aide à l'aide de tous. C'est tout. Si nous tous, on fait la paix. Vous êtes déjà fatigué d'insulter. Ah bon? Bah, tu insultes d'abord pourquoi? Tu dis que tu es fatigué. Tu insultes d'abord pourquoi? Qui t'a demandé d'insulter? Ouais, les voix, vous allez me tuer un jour. Ah, vous êtes fatigué d'insulter. Oui, reste-moi là. Laisse-moi dans mon alerte. Laisse-moi dans mon alerte ici là. Avec un cam. On fait le show à Facebook. Ma Jenny Colombe ne m'a parlé plus de. Tu as suivi ma vidéo là, tout à l'heure là. Tu sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Ne me posez plus la question que est-ce que tu as monétisé ta page ou pas. Laissez l'histoire là.
Pauvre femme, je n'ai rien. Merci, Rodiane. Ouais. Je sais, Rodiane, est-ce que je n'ai rien? Ça fait quoi? Je suis rien, non, Rodiane. Est-ce que ça fait quoi? Hein? Bah, c'est quoi votre problème? Rodiane, tu m'insistes que je suis pauvre femme, je n'ai rien. Et Rodiane, regarde-moi, regarde là-bas. J'ai ma télévision, hein. Voilà ma chambre, voilà notre chambre ici. Voilà mon lit ici au salon, je suis moi. Mais attends. Donc, il faut faire des années en bain pour être riche. Tu ne sais pas que Rodiane, toi, tu es arrivé hier, tu pouvais déjà être riche plus que moi. Il y a les filles qui arrivent ici, tous les milliardaires. Hein. Elles ont les villas et tout, elles ont tout. Ok, Flor Maza, bonne nuit, bonne nuit. Va sucer le bon plantain. Non, Enam n'est pas là. Enam va à la crèche maintenant. Hé, hey, Enam, hé. Hey. Enam va à la crèche. Enam va à la crèche. Laisse-la. Laissez Rodiane, elle l'insulte même pas. Il faut l'ignorer. Elle va déjà venir me tenter. Moi, je parlais. Vous voyez comment. À que je l'insulte là. On va faire comment? C'est quoi? Rodiane, moi, je suis chez moi. Hein, dans mon. Chez moi ici, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai eu mes petits sous aujourd'hui. Rodiane, je ne sais pas là où toi tu sors, là ici. Pauvre femme, tu n'es rien, tu n'as rien. Moi, j'ai déjà dit que j'ai quelque chose. Tu me trouves en train de faire mes choses, toi tu viens déjà entrer dedans. Est-ce qu'on t'a invité ici? Depuis que tu es sur les gens, les réseaux sociaux, tu fais, je mets encore les voix de l'autre jour, là où tu es sur ton front, hein, et l'autre. Hein. Tu veux que je mets encore les voix là, parce que là, je peux mettre. Hein, mais comme ça, c'est ma page, j'ai peur que. J'ai peur que ça te prend. Hein? J'ai peur qu'on ferme mon compte. Parce que si je mets ce que tu as dit sur Flore, moi, je suis chez moi. Et Nam se vient quand? Non, pour l'instant, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas là quand les Nam se va venir. Ils vont venir bientôt. Il faut laisser les gens. Nous, on est là. Je suis avec Cameroun, Afrique, Japon, pour te dire que il faut parler ce que tu veux parler, c'est ton problème là-bas. Il faut savoir que Loulou et moi, c'est une place. Loulou et moi, c'est une place. Si vous voulez qu'on fasse la paix, comme je suis une haineuse, maintenant, on dit maintenant qu'on fait la paix, qui va faire quoi à qui? Qui va leur faire comment à qui? Donc, voilà, moi, je reste dans ma haine. Au moins, je fais vibrer un peu Facebook. Facebook un peu heureux. Facebook est bien maintenant. Vous avez vu ces dernières semaines, si? Facebook est bien jusqu'à. La semaine, s'il n'y a pas eu trop de gens par Facebook, hein, vous n'avez pas remarqué. Hein? Il n'y a pas eu quelque chose comme les dernières semaines. Guéma m'a clashé. Ah quoi? Je m'en fous de Guéma, dis donc. C'est qui me clash même. Est-ce qu'on clash? Est-ce que Guéma peut te flasher? Est-ce que Guéma peut te clasher? Parce que tu n'es rien. On clash les stars. On parle des stars. Si je parle d'un Kankam, parce qu'un Kankam, c'est une star. Si je parle de l'eau, parce que l'eau, c'est une star. Si je parle de Douengama, Douengama, c'est une star. Si je parle de Natasha Monaco, c'est une star. De Kouma Mugo, c'est une star. Hein? Tous ces filles-là que je parle de sont les stars. Je ne veux pas me permettre de parler de vous. Mais venons en Ganda, non? Est-ce que Nganda? Oui, mais venez, je vais vous accueillir en Ganda. L'Nganda, c'est chaud, hein? Vous avez de mon Ghana. Non, le Ghana, mon Ghana est chaud. Hein. Il y a des filles qui viennent ici, maman. Le Ghana est chaud jusqu'à. Mais oui. Le Ghana est très chaud, chaud, chaud. Je vous dis, Néwal. Mais depuis que je vends les piments et que je refuse que je vends les piments, même si ce que je vends les piments, ça fait quoi? Depuis qu'on les insulte, est-ce qu'il y a eu qui est moi à Facebook, ma chérie? Vous appelez pour réserver, moi je n'ai pas un problème. Hein? Même si Guillaume m'insulte, ça fait quoi? Moi je parle moi-même de ma misérable vie, à quoi?
Oui, parce que c'est Kwaki ignore que j'ai été à quoi et peut insulter ma vie depuis des années. Ça change quoi? Il n'a pas insulté qui? Mais moi, attends. Quand ma frite au Cameroun, quand ma frère dit, Guy, ma vie, il fallait le voir. Grand détail, les mabongo de sa salle. Je ne sais pas quoi de lui. Il demande si j'ai changé de canapé. Mais j'ai changé de canapé depuis. Avant, j'avais un canapé en cuir. Maintenant, j'ai un canapé en tissu que ma fille m'a donné. Il faut dire à qui il manque que ma maison a changé. Il ne connaît pas que ma maison a changé. Laetitia va très bien. Laetitia va très bien. Elle a reçu sa paie là. Elle va m'envoyer un peu d'argent demain. Laetitia va bien. Tout le monde, tous mes enfants vont bien. Merci de penser à elle. Mes enfants vont bien. Mais oui, c'est la vie. Tout le monde doit se débrouiller. Hein? Et c'est facile. Bah, ils disent que, les gens disent que, parce que, non, en fait, ils ont encore mes anciennes photos d'avant où j'étais avec le, comment on appelle ça? Mon canapé en cuir là. Parce que quand on met mes photos, mes vidéos, mes photos, c'est celui-là, je n'ai plus le canapé en cuir depuis. Oui. Tu vas venir te taper à domicile. Ben, je l'attends. Il faut que j'accueille un avion pour venir. Tout le monde veut me taper. Il faut leur dire qu'il y a un grand day vendredi. Charlene Jones. Hein, Charlene Jones, il vous donne l'adresse. Charlene Jones va faire le day de son papa qui est décédé. Donc, moi, je vais me déplacer. J'irai à ce day-là. Charlene Jones, c'est. Attends déjà. Je vais vous donner ça après. Parce que là, il y a que de l'attente. Je sais même pas comment mais ça. Le 8 octobre 2021, à partir de 19h, au 5 rue Galilée, 93 150, le Blanc-Ménil. Donc, il y aura un grand deal là-bas que, pas, qui va dépasser le mariage qu'on fait ici à Paris. Un très grand deal. Donc, il faut venir là-bas, me trouver là-bas. Donc, c'est au 5 rue Galilée, 93 150, 150, le Blanc-Ménil. Donc, je serai là-bas demain. Donc, voilà, je serai là-bas vendredi pour aller au deuil. Donc, les gens qui rêvent de me taper, tabasser là, venez me tabasser là-bas. Donc voilà. Voilà. Non, 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 non. Je ne cherche pas un parmi moi qui va livrer. Pourquoi? Vous ne regardez pas que je suis une veuve. C'est facile. Une veuve a beaucoup de trucs, hein. Vraiment. Si je change mon nom, là, je deviens autre chose qui n'a pas assez d'argent là-bas. Je vais vivre comment? Je vais perdre tout. Oui, mais voilà, je peux perdre tout, hein. Ben oui. Vous parlez de quoi? Vous croyez que être veuve en France, c'est facile. Je vais perdre tout. Même si il y a beaucoup de choses que je vais perdre, hein. Non, je préfère aller bouillir dehors. Tu veux me bouillir ici, tu me donnes mon argent du pas, pardon. Je crois que c'est facile. Parce que déjà, quand tu quittes ta maison, tu te maries, ça appartient un peu de ça. Si moi j'avais, je peux me marier quand je veux. Mais il y a un problème, je vais vous expliquer une chose, mais insultez-moi si vous voulez. La maison que je suis ici, je n'ai aucun enfant qui est là. Mes enfants vivent ailleurs. Si, même si je me marie et qu'il y a mon enfant peut rester ici, et je peux me marier, mais je garde toujours mon nom de dégrément si je veux. Ça dépend. Est-ce que l'homme avec qui je vais me marier va accepter? Il y a beaucoup de choses. Être veuve a beaucoup d'avantages. Hein? Quand je pars au Cameroun, je paye mon billet d'avion. Si je paye à 800 euros, mon billet d'avion est remboursé.
Si le père peut aller 100 euros, on me donne 450 euros. Et il y a beaucoup de choses que je. Dès que j'écris ici que j'ai faim, écoutez-moi très bien. Mouf. Quand j'écris ici que j'ai faim, ça devient un problème. Maman, madame d'écrimon. Oui. Moi, j'aide les gens. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont faim, je m'en vais. Je prends les cadets, j'ai amené 3 cadets, j'amène là-bas. Les chèques cadeaux de nourriture et tout, je donne aux gens. Il y a une de mes soeurs qui nous aide beaucoup, il y a une fille qui nous aide beaucoup à Paris ici. Tout ce qu'elle me donne, je donne, j'appelle les voisins ici. Les viandes, les poulets, je donne à tout le monde. Je me fous de quoi avec ça ici. Je jette la nourriture ici. On a dit que c'est facile. Vous croyez que quelqu'un, tu as ton petit confort, tu vas aller te marier avec une personne que tu n'as même pas. Comment on appelle ça? Les contrats. Maintenant, on se marie avec contrat. Il y a des hommes que quand tu es encore chez toi, ils te gardent bien, hein, mais quand tu vas quitter ici pour aller habiter avec lui, tu vas regretter. Et c'est trop tard, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est tout. Moi, je suis une femme que. Et même, je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas, comme Guy Emmanuel qui me connaît. Quand je vivais au Cameroun, mon blanc vivait chez lui et je vivais chez moi, à Bali. Ah oui? On a tué habité dans 2 maisons. Même ici, en France, Monsieur Degremont vivait à Levallois-Perret et moi, je vivais toujours à Levallois-Perret dans notre appartement. C'est rare qu'on vivait ensemble. Moi, j'ai toujours vécu comme ça avec les hommes. Hein. Je n'ai jamais vécu vraiment maritalement avec un homme. Comme vous connaissez la veuve, je n'ai jamais vécu maritalement avec un homme. Au Cameroun, il vivait là-bas et je vivais de l'autre côté. Ici, pareil. Bah ouais, parce que c'est comme ça. Même ici, c'est pareil. Qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai jamais vécu avec mes maris dans les mêmes maisons. Vous ne connaissez pas, vous connaissez la veuve joyeuse. Je ne suis pas facile à vivre. Hein. Il faut que les gens qui ont vécu avec moi qui vont vous dire que la veuve joyeuse n'est pas facile. Hein. Je n'ai jamais vécu avec mes maris. Non. Jamais. J'ai tué ma maison. Il vivait dans le même quartier. Voilà sa maison, voici ma part ici. Oui. Vous me connaissez bien. N'est-ce pas que vous connaissez la veuve? Je n'ai pas vécu avec M. Degremont dans la même maison. On avait les grands appartements, oui, mais on ne vivait pas ensemble. Il avait chez lui, j'avais chez moi. Chez lui, c'était chez moi. Chez lui, c'est ma maison. C'est comme ça. Vous venez dans les réseaux sociaux parler de la vie des gens comme vous connaissez. Vraiment la vie des gens. Vous connaissez quoi? Je n'ai jamais vécu avec un homme dans la même maison. Même au Cameroun. Mon mari vivait à Edokabi. Mes copains vivaient à Edokabi. Moi, je vivais ailleurs. Moi, je vivais à Kayoueli. Vous connaissez un peu la limite de Bali. Côté de Kayoueli. À côté de marché central. Moi, j'ai vécu là-bas. Oui. De la famille et Kambi. J'habite là-bas. Ceux qui me connaissent vont me connaître. Oui. Mes enfants sont. Je n'ai pas envie de parler de moi, dis donc. La veuve joyeuse, la veuve joyeuse. J'ai vécu avec un homme. Je n'ai jamais vécu avec lui. J'allais souvent, de temps en temps, rester avec lui. Je reste là-bas, mais j'étais à l'aise chez moi. Et c'est lui qui venait. J'allais souvent dormir là-bas quand je voulais. Souvent, je trouvais les clôtures des femmes, je faisais ceci, je m'en foutais. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous ne connaissez pas la vie des gens, vous permettez de venir dire, je connais la veuve, je connais, vous connaissez quoi de ma vie? Je n'ai jamais vécu avec aucun de mes hommes que j'ai vu dans ma vie. Aucun. L'autre vivait à Edokabi, moi je vivais à quoi? L'autre vivait là-bas, moi je vivais à Edea. C'est comme ça. Je suis une femme comme ça, je ne vis pas avec les hommes. Vous savez ce que je n'ai pas un homme dans ma vie? Non, c'est comme ça. Vous ne connaissez rien de la vie des gens. C'est m'a dénigré. Les femmes, ça fait ça. Il y a des femmes comme ça. Moi, je suis une femme indépendante. Je fais ce que je veux quand jamais je le veux et comme je veux, comme je l'entends. Je n'ai jamais vécu avec aucun de mes maris. On ne vous a pas dit ça. J'avais les copains partout. Vous ne vous posez pas la question. Hein? Vous êtes là. Vous parlez de moi comme si vous me connaissez. Vous connaissez vous. Qui de vous me connaît? Personne. Même ma propre, même mes propres gens ne me connaissent pas. Même moi-même, je ne me connais même pas. Parce que je pose sur les actes parfois qui sont terrible dans ma vie. Machin a fait ceci, machin a fait ceci. Si vous êtes contente de toujours avoir
un homme qui ronfle à côté de vous, ou qui pète, ou qui n'est pas beau, qui me dit, hey, moi je fais. Tu viens quand je dis l'heure. Si tu n'es pas là, là, je fais la crise. Une crise avec toi jusqu'à ce que je te chasse de la maison, tu pars. Vous croyez que c'est facile? Une femme qui cherche sa vie, quelqu'un vient la perturber. Oui. Demandez à toi, quand vous me connaissez. Allez demander à quoi? Comme ceux qui me connaissent à quoi? Si j'ai vécu avec un homme dans la même maison. J'ai toujours eu mes maisons. Tu vis là-bas, je vis là-bas. La société paie ta maison là-bas, toi tu paies ma part. Équipez tout avec des bonnes, tout. Voiture qui va avec, me connaissez. Maman, la vie change. Monsieur Degrémont, Monsieur Degrémont. Vous m'avez vu dans la maison, Monsieur Degrémont, un jour. Vous parlez de veuves joyeuses, comme si vous me connaissez. Vous me connaissez où? Vous parlez de moi, comme vous me connaissez où? Vous me connaissez où? Vous voulez qu'on parle de vos vies? Vous ne demandez pas à vos stars qu'elles ont vécu avec qui en Afrique? Elles ont fait comment vous vivez en Europe? Vous avez peur de les poser les questions. Moi, je peux donner mon pedigree. Mon pedigree. Vous entendez, non? Je n'attends que personne ne fait sa vie comme il veut. Moi, j'ai fait ma vie. J'ai ce que je voulais. J'ai mes enfants. J'ai fait mes choses comme j'ai pu. Ma famille ne souffre pas en Afrique. J'ai ma mère qui vit là-bas. J'ai quand même fait ce qu'il fallait faire à mon petit pauvre niveau. Combien d'entre vous avez fait comme moi? Personne. Moi, quand même, en dehors de l'année que je suis pas allé au Cameroun, chaque année, je peux au Cameroun une fois par an. Le Covid, c'est qui est venu chambouler les choses que je suis pas allé cette année. Quand mon mari vivait, je partais où je voulais. Même 5 fois par an au Cameroun. Pourri, j'ai atterrissé à Yaoundé. Donc je faisais, je m'en foutais. C'est du n'importe quoi. Les gens me parlent comme si eux et moi on a grandi ensemble. Bonne nuit, ma chérie, Marianne Platon, bonne nuit. Allez faire vos Saint-Père là-bas, disons. Hein? Je fais le Saint-Père. Je fais le Saint-Père, mais là, vous n'êtes plus. Ah oui, parce que tu as fait le Saint-Père. Parce que j'étais là, je connaissais le Saint-Père. Peut-être que j'étais parti avant. Peut-être. Moi, j'ai fait le Saint-Père, puis bon. Avec le gars noir là qui ne voulait pas qu'on entre au Saint-Père là. Il était mort, hein. On appelait même comment qui ne riait jamais là. Oui. Je crois qu'il était mort. Oui. Le Cameroun est là. Maman. Hey! Notre doigt là qu'on a connu. Les Kourouman. Hey! Quand les Kourouman sortaient du port. J'ai été dit qu'avec Frisco, les taximans Frisco, quand ils venaient, j'ai dit, et les marins. Ah, j'ai été dit que, non. Mais quand même, hein, même si on m'insulte quand même, moi je m'en fous, j'ai quand même bien vécu quand même. J'ai quand même un petit vécu que je peux quand même dire que j'ai fait ça. Ah oui, hein. Équipe de nuit. On appelait ça, la boîte de nuit, là, on appelait ça comment? Qui était derrière le, comment on appelle ça? Aquapass, derrière là, tout là. Et on appelait ça comment? Le Biblos. Emma était un gars qui était méchant. Il ne riait jamais. Je ne sais pas combien, on lui payait même combien parce que le gars était méchant. Aujourd'hui, il rit avec toi. Demain, il ne rit pas avec toi. Il y avait aussi Rambo. Rambo qui était au Biblos. C'est Rambo qui... Non, Rambo était... Non. Rambo était au 78. Je vous donne... Attends, je donne mon numéro. Attends. Non, pour moi, c'est que je ne peux pas te donner mon numéro. Écris ton numéro, je vais épingler comme ça, je t'appelle. Parce qu'à l'heure, je peux t'appeler qu'avec mon fixe.
Oh, j'ai vu déjà, papa. Parce que mes téléphones. Maman, le foyer des marins. Là-bas, maman avait la femme blanche, l'anglaise, là, qui était méchante jusqu'à. Le foyer des marins. Je t'ai dit. La bière de ça. Je t'ai dit. Maman. Maman, moi aussi, je suis devenue maman. Parce que je lui ai donné mon numéro. Hein. Maman, pourquoi vous m'agressez ici chez moi? Ouais. Oh. Vraiment. Quand même. Hein. En tout cas, les filles, vraiment. Et le Cameroun. Maman, il y avait les belles filles. On exporte. Je me suis sauveur. Oui, brillant, oui, c'était, vous êtes brillant, on sait qui, oui. Il avait une caisse de cigarettes. Oui. À l'époque, on ne savait pas ce qu'on appelait. Il était comme une femme, toujours en train de parler. Au carrefour de, comment on appelle ça? Brillant, je crois que c'était lui. Ou c'est brillant, ou c'est qui, ou. Je ne sais, parce qu'il y avait un gars qui s'appelait aussi brillant. Et, je ne sais pas. Oui, il y avait ça, que des cigarettes là-bas, ou quoi. Là où il y avait Pune, Carrefour, la Pune, et Tam Tam Village. Brillant. Ouais, oh, vraiment, oh, ça me fait plaisir hein, quand je pense aux choses comme ça. Je t'ai dit. Est-ce que Guy et Marc, c'est quelqu'un là-bas? Les pieds comme un phoque. Il était dit, brillant. Il était là-bas, gentil jusqu'à. Il était là, il vendait. Oui, il vendait même quoi. Où. Il était sale. Et il mettait souvent les culottes. Il était dit, vraiment. Il y avait plein de... À quoi était bien avant, hein? Même nous, même ma génération, quand on arrive à quoi, on n'est plus rien. Quand nous, on arrive, tout le monde dit que à quoi est fini. Mais quand nous, on reste encore, à quoi encore, je te dis que ça bouge encore. Après, tout le monde est parti, ceux qui sont partis au Nigeria, au Gabon, comment on appelle, Guinée équatoriale. La veuve joyeuse est restée sur place. Et quand j'ai eu ma part, aujourd'hui, si je peux changer quelque chose dans mon pas, changerai quoi? Je peux changer quoi? Non, je ne peux rien changer. Non. Parce que dans la vie, ce sont des questions à ne pas poser. On ne peut rien changer. Parce que si on change quelque chose qui n'est pas destiné, tu vois quelque chose qui n'est pas. Ça va toujours nous retomber dessus. Il faut savoir que si à l'heure, si je vous parle, que je suis gentil, c'est parce que c'est écrit comme ça. Si je bois mon vin, c'est écrit comme ça. Donc, c'est difficile de dire que les gens qui disent que, bon, posez-moi la question que si je peux faire revenir quelqu'un, je veux faire revenir qui? Dans ma vie. Maintenant, si le bon Dieu me dit que ma fille Elisabeth, dans ta famille, tu as perdu beaucoup de gens, je peux faire revenir qui? J'entends. Je veux dire, mon petit frère, Beko, j'ai perdu un petit frère qui m'adorait, qui m'aimait tout. Oui, je veux dire oui. Oui, c'est tout. Parce qu'on demande bien. Parce que lui, je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas s'il sera en vie, ce qu'il serait devenu. Oui, c'est comme ça. Ah oui, il faut être franche dans la vie. À quoi avait un vieux goût? Je te dis que le goût à quoi? On était content. Je te dis que. Hé, hey, là, on partait manger les spaghettis. Chez le bamiéke, là, comme on appelle le métier. Là, les spaghettis le matin avec la sardine. Et la mayonnaise, la tomate. Ouais, ouais. À
en tout cas, moi, je ne regrette pas. Bah, parfois, il faut regretter. Non. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a créés comme ça. Donc, je ne regrette pas, franchement. Je ne regrette pas. Sans vous mentir, je ne regrette pas. Je ne regrette pas ma vie. Parce qu'il y a beaucoup d'entre elles là qui n'ont pas de souvenirs de ce qu'elles ont fait au Cameroun, où elles étaient, dans lequel elles ont dormi, où elles ont connu qui, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie. Mais, et, je peux raconter ma part dans un grand livre très amusant. Je peux raconter ce que j'ai fait ici en Europe, mais d'autres ne peuvent même pas. Il y a d'autres que tu leur demandes, que tu veux passer par où pour arriver. Moi, j'ai pris Air France. Première classe. Pour venir ici. Ah oui, je ne suis pas venu ici comme les autres. Bah, on se parlait souvent à quoi? Bon. Bah, si on se parlait à quoi, comme tu dis, mais tu m'as souvent insulté. Dipindi, Makadu, tu m'as souvent insulté. Bah, je sais. Mais oui, la famille de ça, on parlait souvent, j'ai vu ça, j'ai changé les 10 dollars qui nous donnaient 10 dollars, c'était comme 7 500. Franchement, quand je pense, mieux vaut parfois, on arrête même là, parce que ne parlons plus d'accord, pardon. Parce que quand je pense, il y a certaines choses. Mais il faut se comprendre qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont mortes. Il y a beaucoup qui sont mortes et qui continuent à mourir. Parce que quand tu arrives à quoi? Quand tu sais que, parce que quand tu sais que tu venais chercher quelque chose, tu as un but, tu réussis. Quand tu as un but, tu réussis. Oui. C'est comme ici. Quand tu as un but, finalement, tu vas réussir. Et c'est tout. C'est ça. Il y a beaucoup qui sont mortes dans les choses des marabouts, dans les choses je te dis que des conneries à la con, il y a des choses des gens qui sont mortes. Il y a beaucoup d'entre nous, hein. S'il y a peut-être 90, il y a 100% de filles. Je peux dire qu'il y a 80% des femmes, des filles qui ont été à quoi qui sont mortes. Il y a peut-être 10% ou 20% qui se retrouvent en Europe. La plupart sont mortes. Ou la plupart sont dans la précarité totale. Moi, je peux vous dire. Je ne dors pas. Je passe ma vie à dormir. Mon pied me fait mal. Je veux dormir. Pourquoi? Tu as commencé à la Méditerranée. Ah bon? Toi, tu es arrivé à l'heure en retard. Méditerranée est venue devant moi. Quand moi je venais à la mer, quand oui, Méditerranée, c'est devant moi. Mais oui. Quand tu arrives à la Méditerranée, moi j'étais déjà avec quelqu'un. J'étais déjà même enceinte. J'avais mon bar en face d'un sport, Valérie Snack Bar. Valérie Snack Bar. C'était mon bar. Si tu parles de la Méditerranée est arrivée hier. Nous on était là depuis. Donc, avant, quand tu arrives, non, il y a beaucoup de filles qui sont montées, même avant que vous n'arriviez à quoi? Beaucoup. Et toutes ces filles-là qui sont montées, je connais toutes. J'ai pu dormir avec une, ou bien j'ai pu manger avec une, ou bien j'ai fait des affinités avec une, ou bien j'ai fait des partout avec une. Oui. Voilà. Donc, voilà. C'est la vie, hein. C'est la vie. Donc, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, énormément, beaucoup qui sont mortes. Beaucoup même. Beaucoup qui sont mortes. Ouais. Il y a beaucoup. Hein. Ouais. Donc, mes pères à leur âme, c'est notre chemin, nous tous, mais franchement, c'est pas facile, hein. Parce que quand tu es quelque part, il faut être déterminé. Là, c'est qui a réussi, c'est Mathieu Lebrun. Pourquoi tu parles de Mathieu Lebrun? Pourquoi tu parles de Mathieu Lebrun ici? Pourquoi? Je vais te poser une question. Pourquoi tu parles de Mathieu Lebrun? Mathieu Lebrun, t'as fait quoi? Mathieu Lebrun, c'est ma soeur. Elle restera ma soeur et je parle avec elle. Parfois, il faut laisser un peu certaines choses. Vous aimez toujours titiller Mathieu Lebrun. Oui, elle a réussi, Mathieu Lebrun. Elle a sa maison, elle avait son mari, elle a ses enfants. Hein? Arrêtez un peu. Pourquoi tu parles de... On parle des choses, vous me détournez déjà pour parler de Cameroun, Afrique, Japon. On parle des vraies choses maintenant. Tu viens parler d'elle, pourquoi?
Pas que vous ne l'insultez pas. Mathilde, vraiment, on se parle. C'est une soeur à moi, on se parle. Il y a eu un désaccord et puis, voilà. On se parle. Actuellement, on se parle. Elle m'a appelé, je l'ai appelé et puis, on se parle. Elle vient d'améliorer, c'est tout. Bon, je vous laisse alors. Comment commencer que la réussite avec quoi? Bonne nuit. Parce que je ne veux pas entrer là, vous voulez déjà m'amener là. Bonne nuit.